traversais une période difficile. Mon divorce se passait mal et mon mari quittait définitivement le domicile conjugal. Je savais que c'était difficile pour ma fille aussi, mais je n'avais peut-être pas réalisé à quel point. Oh, maman, c'est pas vrai. Oh. Ça va, j'ai compris, je te laisse faire. Diana était une fille enjouée. J'ai dû penser qu'elle le resterait toujours. Elle n'avait pas de problème, ni à l'école, ni à la maison. Elle ne faisait jamais de fugue et ne touchait pas à la drogue. Et pourtant, ce qui va suivre est arrivé à ma fille, que vous le croyez ou pas, cela pourrait arriver à la vôtre. Ce qu'il y a de plus inquiétant, c'est que cela peut arriver malheureusement à n'importe quel enfant. Hey, t'aurais pas vu Brian? Et si, il était par là. Mais attends, Diana, attends! Brian, je croyais que tu devais passer me voir hier soir. J'ai pas pu, j'étais occupé. Attends. Mais t'as pas oublié qu'on sort vendredi soir, oui ou non? Tu peux m'excuser une petite seconde? Écoute, ne me fais plus jamais de scène en public, tu entends? Comment ça? Tu es fou, tu pourrais penser à moi. Mais à quoi tu joues? J'ai l'impression que tu m'évites. J'ai essayé de te le faire comprendre en douceur, mais on dirait que je n'ai pas réussi. Réussi quoi? En fait, je ne veux pas me lier à une seule nana. C'est tout. Tu as compris? J'ai compris. C'est très clair. Désolé. Diana, tu ne m'as pas entendue? Le plombier a appelé. Il ne pouvait pas venir, il rappellera plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Brian m'a plaqué. C'est pour ça qu'il ne m'appelait plus. Il a trouvé une fille plus jolie. Ma chérie. Tout le monde aurait vite compris ce qui se passait, mais non, pas moi. Je suis vraiment trop bête. Diana. Je l'aimais vraiment. S'il m'avait dit au moins ce qu'il voulait, ce que je faisais de mal, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. J'aurais pu changer d'une façon ou d'une autre. Tu n'as pas changé. Tu es très bien comme tu es. T'arrêtes pas à dire ça. Si t'avais raison, je serais un peu plus aimée par les autres. Écoute, ma chérie, je sais qu'en ce moment, tu vis une période très pénible. Mais ça ne va pas prendre des proportions, tu entends? Il y aura bien d'autres garçons, bien mieux dans ta vie. Tu es vraiment très jolie. Oui, oui, ben, t'es vraiment la seule à croire ça. Écoute, tu peux t'apitoyer sur ton sort, mais ça ne t'avancera pas. Là, c'est sûr, c'est le plombier. Bon, je vais essayer de m'arranger avec lui et je reviendrai finir cette discussion. Je sais que tu crois que c'est la fin du monde, mais c'est pas vrai. Thank you.
là-bas qui te regarde. Oh, il est plutôt mignon. Et il s'amène par ici. Bonjour, je m'appelle Arthur. Je m'appelle Diane. On pourrait peut-être danser. Quel âge ? 23 ans. Tu ne penses pas que les gens sont un peu jeunes pour toi ici ? Tu ne penses pas que je suis un peu trop vieux pour toi ? Ma mère va sûrement le penser. Ta mère peut se tromper. T'inquiéter pour moi. J'ai fait la connaissance d'un garçon très mignon. Oh, grande nouvelle. Allez. Amuse-toi bien. Je lui ai dit que la chance allait tourner. Allez, au revoir. À bientôt. Au revoir. Salut. Oh, génial, ta voiture. Oh, merci. Quand vous voudrez, madame. Merci. À votre service. Oh, Reggie. Salut. Elle est vraiment superbe. De me ramener. Aucun problème. Je suis content que tu sois venu dans cette boîte. Merci. Et je ne le regrette pas. Mouille tes lèvres. Mets tes cheveux en arrière. Tu sais que tu es superbe. Non, tu sais pas. Pas encore. Mais tu vas comprendre avec moi. On se dit bonsoir. Quand je veux quelque chose, rien ne peut m'arrêter.
c'est pas vrai. Il faut que tu partes, ma mère va... Arrête de te prendre la tête avec ta mère, ça suffit. Non, s'il te plaît, va-t'en. S'il te plaît. Et c'est ça que je trouve en rentrant? Quoi? Je ne comprends pas. Tu comprends parfaitement de quoi je parle, je t'en prie. Ton copain sortait de la maison juste au moment où j'arrivais. Et ne me dis pas qu'il n'a pas passé la nuit ici. Écoute, je voulais pas être seule, tu étais partie. Oh, ça c'est une grande excuse. Mais c'est vrai! C'est dingue, je croyais que ça te ferait plaisir. J'ai fini par trouver quelqu'un qui m'aime. Eh bien moi, je ne l'aime pas, je n'ai pas confiance en lui. Et maintenant, je vais bien, tu ne le verras plus. Je l'aime bien et je le verrai que ça te plaise. Non! Et tant que tu vivras dans ma maison, tu suivras mes règles. Si tu n'as pas l'air de faire... Alors je vais vivre avec papa. Lui, il est pas toujours sur mon dos à me donner des ordres. Je ne pouvais pas le croire. Et quelques jours plus tard, Diana a mis sa menace à exécution. Elle est allée vivre avec Harry, mon ex-mari. Du moins, c'est ce que j'ai cru. Qu'elle s'était installée chez Arthur. Elle avait joué sur le fait que je ne parlais plus à mon ex-mari. Elle a pu convaincre ainsi chacun de nous qu'elle habitait chez l'autre. Je suis vraiment très fier de toi, tu sais. Oui. Bien sûr. Il faut bien qu'on célèbre officiellement notre vie commune. Pourquoi tu m'as amenée ici? Tu trouves pas ça chouette? Je me sens pas à ma place. Mais combien tu te fais avec ton petit boulot à la poste? 4 dollars de l'heure. Ça fera 8 dollars. Ah. Tenez, voilà, merci. Tu sais, ces danseuses peuvent se faire 30 000 dollars par an en travaillant seulement quelques heures par soir. Oui, mais... Mais quoi? Elles ont une allure et puis un corps. Mais toi aussi, tu as tout ça. Et un truc en plus. Tu ne penses pas ce que tu dis pour moi? Oh, bien sûr que si. Tu danses génialement. C'est quand même mieux que de jouer les esclaves dans un bureau de poste. Tu sais, l'argent, c'est pas important pour moi. Alors... Finalement, on n'a peut-être pas autant de choses en commun. L'argent, c'est tout. C'est le pouvoir. C'est super excitant. Tu veux vraiment que je fasse du striptease? Ce n'est pas du striptease. Ces filles sont des artistes, des danseuses. Elles sont superbes en plus. Mais elles ne sont pas aussi superbes que toi. Ça ne te gênerait pas si je me promenais complètement nue devant des hommes comme ça?
Je connais plein de types qui bavent devant ce qui est à moi et c'est jouissif. Et je suis sûr que ça te fera plaisir. Je ne crois pas, non. Puis, ça nous rapportera beaucoup d'argent. Sois sympa. Pense un peu à notre avenir. Toi et moi. Je peux pas, je te jure. Oh. Hey. Tu ne veux vraiment pas me faire plaisir? S'il te plaît. Tu veux le faire pour moi? S'il te plaît, ma belle, s'il te plaît. Ça fait 7 semaines. Elle n'est pas venue en classe pendant 7 semaines. Je croyais que vous le saviez. Mais comment l'aurais-je su? Elle est partie vivre chez mon ex-mari. Et il ne vous a rien dit? Oh, il faut avouer qu'on ne se parle pas souvent. Mais croyez-moi, il aurait appelé s'il avait su. Et vous ne parlez pas à votre fille? Bien sûr que si, je lui parle, on se parle régulièrement. Elle n'a jamais laissé entendre qu'elle pourrait quitter l'école? Non. Non, elle a dit que l'école c'était agréable, qu'elle avait moins de travail cette année. C'est tout ce que je peux vous dire. Tu savais que Diana c'est chez l'école? Mais comment veux-tu que je le sache? C'est toi qui la vois tous les jours. Je ne l'ai pas vue depuis un mois. Elle m'a dit qu'elle s'installait chez toi. Hein? Mais elle m'a dit que vous vous entendiez très bien toutes les deux. Mon Dieu. C'est pas vrai, elle a pas pu faire ça. Merci. Merci. Diana n'est pas venue depuis des semaines. Elle est avec Arthur, n'est-ce pas? Aucune idée. Oh, je t'en prie, ne me raconte pas d'histoire. Ne me dis pas qu'elle a arrêté de te téléphoner. C'est pourtant le cas. Pourquoi? Parce qu'elle sait que je n'approuve pas ce qu'elle a fait. Quoi? De vivre avec lui? Oh, excusez-moi, mais je ne peux pas. Elle va m'étriper si elle sait que je vous ai parlé. Bon, alors ne me dis pas, dis-moi simplement où je peux la trouver. D'accord. Mais mieux vaut vous préparer. La Diana que vous allez voir n'est plus celle que nous avons connue. Allez, remonte tout de suite. Quand elle sera partie d'ici. Viens là, viens ici. Elle dehors. Qui êtes-vous? Ne me touchez pas. Je suis le patron et vous sortez d'ici. Vous êtes le patron et moi je suis la mère de cette fille. Elle a tout juste 18 ans. Vous n'avez pas le droit de la laisser danser dans cette boîte pourrie. Et après? Si elle ne peut pas servir dans un bar avant d'avoir 21 ans, elle n'a certainement pas le droit de s'y déshabiller. La loi sur l'alcool stipule une seule chose. Elle ne doit pas être dans le bar quand elle ne fait pas son numéro. Donc, quand elle n'est pas sur scène, elle est dehors. Et vous, voilà la porte. Au revoir. Au revoir.
j'ai jamais senti aussi lamentable de ma vie. J'ai eu l'impression de me retrouver à 10 ans. Oh, quand on parle du loup. Après, il faut que... Il faut que je me sauve. Enchantée, Madame Moffitt. J'aurais peut-être dû te prévenir que j'allais passer. Et pourquoi t'as pas amené papa? Et pourquoi pas grand-mère? Arrête. Et de quoi si t'arrêtais un peu, maman? J'ai plus de 18 ans et j'ai le droit de choisir ma vie. Tu choisis la vie qu'Arthur t'a dit de choisir. Ne le mêle pas à cette histoire. D'accord. Si tu me dis pourquoi, après avoir connu ce type, tu t'es détournée de ta famille. Pourquoi tu as abandonné l'école? Tu dis une chose à ton père et à moi une autre. Pourquoi tu es dans cet endroit horrible? Je suis ici parce que ça me plaît. Maman, quand je suis sur scène, je suis une vedette. J'aime ça et je l'assume. Et hors de scène, ça n'est pas le cas? Seulement quand je suis pas avec toi. Je n'ai jamais rien voulu t'imposer. C'est ça, tu veux seulement ce qui est bien pour moi. Il faut que je retourne en scène. Je ne crois pas que tu pourras comprendre tout ça. Et n'essaie pas. Laisse-moi tranquille. Venant de votre part. Chérie, sur ce point, ta mère et moi, nous sommes d'accord. Vous faites front. J'ai pas vu ça depuis que j'ai arrêté mon piano, c'est dingue. On veut que tu rentres à la maison, tout simplement. Chez lui ou chez moi, où tu voudras. Quand ta mère est venue m'expliquer ce que tu faisais, je n'ai pas voulu le croire. Tu comprends, ça n'est pas du tout toi, ça. Comment tu peux le savoir? Chérie, je vais tout faire pour être plus souvent là si tu viens vivre avec moi. Mais je travaille encore plus que maman. Tu te sens seule à ce point, c'est pour ça que tu es là? Non, je suis là parce que... Il faut vraiment que je vous explique toute l'histoire. Arrête, Diana. Je sais que tu nous en veux pour le divorce, mais ne nous punis pas comme ça. Oh, vous croyez que c'est ce que je fais? Diana! Ça suffit! Mais tout ce qu'on veut, c'est que tu rentres à la maison, rien de plus. C'est ici, ma maison. Là. Fais pas de scène, ma mignonne, je m'en vais. Non, elle était passée m'apporter un truc. Quoi, le fric qu'elle a gagné ce soir? On peut rien te cacher. C'est ma caisse enregistreuse personnelle. Pourquoi tu lui as donné ma veste? Elle avait froid, elle te la rapportera. Tu veux bien m'écouter? Je ne veux pas que tu donnes mes affaires à tes putes, tu comprends? Ne parle pas comme ça de mes filles, c'est clair? Je n'aime pas la façon dont tu gagnes ton argent. S'il n'y avait pas ces filles, on ne vivrait pas comme ça. Alors on va changer notre façon de vivre. Je n'accepterai plus leur argent quand tu me paieras la différence. Quoi? La danse, ça ne te suffit plus. Tu veux peut-être que je fasse le trottoir? Tu sais, ma belle, je connais des types qui te voient danser et qui seraient prêts à payer une semaine de salaire. Mais ça ne m'intéresse pas du tout. Tu pourrais te faire bien plus d'argent que maintenant. Alors c'est vraiment tout ce qui t'intéresse? Tout ce qui m'intéresse, c'est toi. Je sais bien qu'un jour je vais me marier, avoir des enfants et vivre dans une grande villa, mais pour y arriver, il faut beaucoup d'argent. T'as une chance phénoménale, t'as un corps superbe. Ça te permet de gagner de l'argent en dansant, mais tu peux t'en faire plus autrement. Oui, sur le trottoir. Arrête, je veux plus que tu fasses ce numéro. T'entends? Et ne me sers plus ces serments stupides. On parle à faire un point, c'est tout. Et si je te dis de faire quelque chose, tu dois le faire. Ou je te jette par la fenêtre et tu retourneras pleurer dans les jupes de ta maman. Et tu pourras retourner moisir à la poste, tu vois ce que je veux dire? Oui, pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Allez. C'est pas la peine de te faire trop de soucis. Laisse-moi m'occuper de toi.
Et tout va très bien s'arranger, tu verras. Tu es belle. Avance. Enferme. Je parie que ça vous branche. T'as raison. À droite, là. À droite, mets-toi. T'es chaud en arrière. Suivante. Première fois. Eh oui. Si vous êtes maligne, vous reviendrez pas. Oui. Eh, c'est plus facile d'arrêter maintenant, avant que la machine s'emballe. Pensez un peu à ce que je vous dis. Si vous voulez parler, ce numéro est valable à toute heure. Suivante. Voilà ce qui se passe quand tu ne m'écoutes pas. Je t'écoute. Tu fais comme si tu savais tout et tu te fais embarquer dès la première semaine. C'était un coup de malchance. Tu sais combien il a fallu que je verse pour te faire sortir? $750, ma belle. Je me demande si tu les vaux. Je vais te rembourser. Et comment tu vas me rembourser? Je te dépose sur Union Street et tu ne reviens qu'après avoir gagné jusqu'au dernier dollar. T'as entendu? Grimpe dans la voiture! Les ordres ici, et tout ce que tu dois faire, c'est de les exécuter. Arrête.
pardon. Nom et prénom, je vous prie. Diana Gayle Moffitt. On ne se sera pas déjà vu. Je crois pas, non. Alors, on porte plainte contre Monsieur Triss. Diana. Diana. Coup et blessure. Maman, Paul, parle le tien. Mamie, tiens, c'est pour toi. Oh, enfin, Noël, comme je les aime, on est tous réunis, c'est exactement ce que je voulais. Je vous propose un toast. Nous allons boire à une formidable année pour tout le monde. À nous. Bonne année. Bon Noël. Maman, il faut que j'y aille. J'ai promis à April de lui apporter son cadeau. Il faut vraiment que tu partes. Tu ne pourrais pas y aller plus tard. Diana, t'as encore un cadeau à ouvrir. Oh, encore un pour toi. Okay, voilà. Sympa le père Noël. Qui est-ce qui me l'offre celui-là? Il y avait ton nom dessus, alors je l'ai mis au pied de l'arbre. Alors, ouvre-le. Oh, très intéressant. Arthur, tiens-moi ça. Diana, ne gâche pas cette grande journée. Maman, il faut que j'aille voir April. Tu peux y aller demain matin. Maman. C'est vrai, c'est Noël. Ça fait longtemps que tu n'as pas vu ta grand-mère. Je me dépêche, je reviens. Ça t'a plu? Quoi, ton cadeau? Oui, je parie que t'es génial avec. Je ne l'ai pas essayé parce que j'en veux pas. Alors ça, c'est pas gentil. Ne me parle pas de gentillesse, tu sais pas ce que ça veut dire. Écoute, ce que j'ai fait, c'est nul et j'ai vraiment honte de ce qui s'est passé. Attends, je veux te présenter mes excuses. Écoute, mes nouvelles résolutions pour cette année, c'est de ne plus être violent et je veux vraiment changer. Mais il faut que tu m'aides. Je t'en supplie, Diana. Donne-moi une chance. Il faut que tu reviennes avec moi. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Lève-toi. Debout. Lève-toi. Lève-toi. Maman, j'ai plus de 10 ans, excuse-moi, j'ai pas besoin de permission pour sortir. Tu aurais pu téléphoner. Et toi, tu pourrais arrêter de t'inquiéter. C'est impossible, je suis ta mère. Oui, peut-être, mais je ne t'ai pas choisie. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Pendant que j'y pense, je vais plus au tribunal. Tu étais avec lui, c'est ça? Diana, comment as-tu pu faire ça? Écoute, on a discuté, on a tout réglé. Après ce qu'il a osé te faire? Il a honte, maman, mais il veut se racheter, il l'a promis. Et tu ne l'as pas cru, j'espère. Je sais qu'il m'aime et je sais que je l'aime. Diana. Maman, ne te fatigue pas. Tu ne vas pas aller habiter avec lui. C'est ma vie et tu ne m'arrêteras pas. Tu sais que ce garçon est un voyou. T'es jalouse de lui. Parce que j'ai quelqu'un qui m'aime et pas toi. J'en ai assez, tu m'entends? Si tu retournes auprès de cet homme, je ne veux plus que tu reviennes dans cette maison. Plus jamais. Tu as compris?
Oui, maman. Bonjour, Madame Moffitt. Bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Comment pourrais-je oublier cette soirée? Diana n'arrête pas de parler de vous. Comment ça va? Très bien. Oh, est-ce que Diana est ici? On devait sortir ensemble hier soir. Non, il faut que je vous dise, on s'est disputé hier soir, elle est retournée auprès de ce garçon. Vous vous plaisantez? Je voudrais bien. Je parais qu'il l'a fait travailler à Union Street au petit matin. Union Street? Oh, et c'est le coin le plus dur, je lui avais dit de travailler par téléphone. Et ça veut dire quoi? Elle a dit que vous saviez tout. Que je savais quoi? April, je savais quoi? C'est un Mac, tout simplement. Je suis navrée. Je croyais que vous étiez au courant. Californien, qu'est-ce t'en dis? C'est chouette. Ou peut-être mieux prendre l'autre aussi, hein? Ça me semble pas idiot. Fais ce que tu veux. C'est ce qui est génial quand on gagne de l'argent. On peut acheter ce qu'on veut. Quel est le problème? Souris un peu. Désolée, je suis fatiguée. Bon, bah, je prends les deux, évidemment. Toi aussi, t'as l'air fatiguée. On est vraiment à bout. Pourquoi on n'arrêterait pas un peu? Et comment ça, s'arrêter? Je parle de vacances. On n'a qu'à prendre notre argent et aller au Mexique ou à Hawaï. Sans blague, avec la danse et le reste, je suis vraiment morte. L'on lâcherait tout? C'était juste une idée comme ça! Ça suffit! Ça suffit! Regarde ce que tu m'as fait faire. Je te demande pardon, je suis fatiguée. Retrouve-moi à la voiture. Allô? Allô? Si vous ne dites rien, je raccroche. Tant pis pour vous. Diana. Diana, c'est toi? Dis-lui que je te renvoie chez toi. Dis-lui! Diana, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Passe-moi l'autre. Non. Arthur, c'est vous? Est-ce que vous m'entendez? Oui, et je peux vous dire que j'en ai plus qu'assez de votre traînée. Si jamais vous osez la toucher, je vous jure que je vous... Vous pouvez la reprendre, moi j'en veux plus. Elle serait même pas capable de tirer 10 dollars d'un marin. Tu pourrais? Est-ce que tu entends, ma grande? Maman. Je vais bientôt revenir chez nous. Si tu veux bien, s'il te plaît. Chérie, écoute-moi. Je sais que j'ai dit que je ne voulais plus te revoir, mais j'étais en colère, c'était ridicule. Je ne le pensais pas vraiment, je te demande pardon, je t'aime.
Moi aussi, maman. Diana. Diana, chérie. Je vous trouverai ici. Je suis désolée de venir vous déranger, mais j'ai reçu un appel troublant de ma fille hier soir. Il fallait que je vous en parle. Mais je suis là pour ça. Je vous écoute. Voilà. Je crois sincèrement que ce coup de téléphone était différent, inquiétant. Je sais qu'elle est physiquement en danger. Il n'y a personne qui a eu des nouvelles? Ou votre ex-mari, ou bien son frère? Non. Et vous ne savez pas d'où elle téléphonait? Non. Arthur l'a probablement mise sur le circuit. Sur le quoi? Malheureusement, les Macs font travailler leurs filles d'un bout à l'autre du pays. Elle n'a pas fait de remarques à propos du temps, du brouillard, d'une épreuve sportive? Non. Ça, je croyais que ça arrive après qu'il ait retiré sa plainte. Le jour où je l'ai amenée pour déposer cette plainte, c'était pas la première fois que vous la voyiez, n'est-ce pas? Elle avait été arrêtée pour racolage quelques mois plus tôt. Je connais bien ce Mac. Tout le monde à la brigade connaît Arthur Trice. Et pourquoi Diana peut-elle accepter tout ça? Un macro découvre vite où une fille est sentimentalement vulnérable. Il sait l'écouter, il lui apporte ce dont elle a besoin. Il s'appuie sur son manque de réflexion, il lui fait sentir qu'elle est aimée, qu'elle est belle. Mais elle était aimée. On lui a apporté tout ça, je comprends pas. Une fois qu'il la tient, il arrive à la garder auprès de lui par les menaces, les coups. Mais qu'est-ce que vous comptez faire pour l'aider? Faut attendre qu'elle décide de faire surface. Eh bien moi je ne vais pas attendre chez moi qu'elle se décide à refaire surface. Vous êtes sûr que c'est d'accord avec Arthur? Oh, mais bien sûr. Je lui ai parlé hier soir au téléphone avec Diana, mais il ne m'a pas dit où ils étaient, vous le savez. J'en sais rien, il ne me met jamais au courant. Bien sûr, il y a une base navale à San Diego. Je crois que c'est important parce que l'autre soir, il a fait allusion à des marins. Possible qu'il soit à San Diego. Vous croyez que si vous alliez à San Diego, vous auriez une chance de... Madame Moffitt. Oh, appelez-moi Gail. Très bien. Gail, je vais vous expliquer quelque chose. Il n'y a pas eu de crime, vous voyez? Et San Diego est malheureusement à des milliers de kilomètres de ma juridiction. Alors vous ne pouvez rien faire? Si vous voulez, je peux appeler la police de San Diego. Voilà. Ça, c'est déjà un début. Barlow, Metallica, It's 17, gagne ta soirée avec DJ plus Sono. Cet extra, une planète rien qu'à toi. Retrouve cet extra, tes stars et ton doc l'amour sur le télétexte interactif de RTL 0900 00 421. Internet. Ce sont les plus beaux jours de ma vie. Tu reviens nous chercher dans une heure? Quoi? Nettoyer tout ça? Quel cauchemar! Pas de panique, faites appel au génie de Monsieur Propre. Là où d'autres accrochent, Monsieur Propre dégraisse facilement et tout brille. Ça, c'est ce que j'appelle nettoyer. Waouh!
Waouh, ça sent bon le propre. Quel papa brillantissime. Monsieur Propre, le coup de génie qui rend le brillant plus facile. Il travaille pour les services secrets. Mais c'est vous! Pour vous protéger, il efface toute trace de votre existence. Vous êtes vivante, et je veillerai à ce que vous le restiez. Arnold Schwarzenegger. Venez, je vous attends. L'effaceur. Eraser. De San Diego. Ils ont trouvé Diana. Oh, où ça? Gail. Oui, mais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. La vie est malheureusement parsemée de circonstances tragiques. Mais si le Seigneur a choisi de nous imposer ces épreuves, c'est qu'il a ses raisons que nous ne devons pas mettre en doute, même si nous ne les comprenons pas toujours. Recueillons-nous en silence. Prions aussi, en ce moment difficile, pour sa famille qui souffre devant cette disparition qu'elle ne peut pas comprendre. Prions pour que Diana soit partie pour une vie meilleure. Une vie éternellement meilleure. Je vous présente mes condoléances, monsieur. Bon, d'accord, c'est fait. Alors vous disparaissez d'ici. Vous ne manquez pas de culot pour oser venir dans un moment. Attention, pareil. Je ne suis pas venu pour me faire insulter. Elle vivait avec moi et je l'aimais aussi, c'est clair. Alors excusez-moi. Vous fichez le camp de... Je vous interdis de me toucher, vous entendez? J'aurais dû tuer cette petite ordure. Madame, c'est ici qu'elle était. On a fouillé tout le secteur, mais on n'a pas trouvé d'indice. Vous savez comment elle a été tuée? Le corps était bien trop calciné pour une autopsie. On présume qu'elle a été étranglée. Mais s'ils n'ont trouvé qu'un peu de tissu et des os, comment peuvent-ils être sûrs que c'est bien Diana? On a demandé son dossier à son dentiste. Et vous avez été suspect? Faut m'excuser, je peux rien dire. Comment ça, vous ne pouvez rien dire? Tout ce que je peux vous dire, c'est que la mort de votre fille fait l'objet d'une enquête. Et vous faites quoi pour Arthur? Vous l'avez bouclé, j'espère. Et pour quel motif? Pour quel motif? Pourquoi pas pour meurtre? Madame Moffitt, quand on le trouvera, on lui parlera sérieusement. J'espère que vous le cherchez vraiment. Vous ne trouvez pas étrange qu'il signale sa disparition et qu'on la retrouve morte? Hank, tu es là? Oui, je suis là. Laisse tomber cette histoire et file chez le procureur. Ils ont un problème dans l'affaire de Mose. Très bien, j'y vais. Désolé, c'est le boulot. Je préviendrai Powell si on a du nouveau. Et encore une fois, toutes mes condoléances. Oui. Merci. Pas à peine.
Excusez-moi. Vous connaissez une dénommée April. Elle est petite, mignonne. Elle danse chez Charlie. Excusez-moi, mademoiselle. Vous ne connaîtriez pas une fille qui s'appelle April? Elle est petite, très mignonne. Et à une époque, elle danse chez Charlie. Et il faudra tout me faire. Ouais. Diana? Et là, j'ai vu une fille et je peux jurer que c'était Diana. Elle est montée dans cette voiture. Écoutez, ça n'est pas possible. Ils n'ont jamais réussi à identifier son corps, voyons. Elle peut très bien être vivante. Il ne faut pas croire ça. Arrêtez, c'est de la folie. Ils ont vérifié avec les dossiers dentaires. Il n'y a pas le moindre doute. C'était bien elle. Dites-moi, ça veut dire quoi les initiales HNI dans votre jargon? Oh, ça s'emploie assez rarement. En fait, ça remonte à la crise de 29. Ça veut dire humain non intéressant. Quoi, humain non intéressant, mais on va... Ça fait référence à la mort de clochards, de drogués, de prostituées, de gens sans importance. Autrement dit, des filles comme Diana. Je n'ai jamais dit ça. Non, mais c'est comme ça qu'ils les appellent à San Diego. Je les ai entendus le dire. Écoutez, je ne savais pas qu'on employait encore cette expression. Ça prouve que vous ne savez pas tout. Je ne veux pas chercher d'excuses pour un inspecteur maladroit, mais bien souvent, ce genre de phrase est un signe de frustration. En général, si un meurtre n'est pas résolu dans les premières 72 heures, il y a peu de chances qu'il le soit un jour. Ah oui. Ils laissent tomber. San Diego est deux fois plus grand que Portland et il y a beaucoup de meurtres. Je sais qu'ils ont d'autres affaires. Mais moi, je n'ai pas d'autre fille. Je sais que j'ai été un peu dur avec vous la première fois. Mais très franchement, j'aimais bien Diana. En tant que personne et pas juste comme danseuse. Arthur est passé ici récemment? Non, non, il viendra plus. Je l'ai jamais vraiment supporté et il sait pourquoi. J'oublie pas et puis je pardonne pas. Je comprends pas. Arthur un jour m'a dit que si Diana le quittait, eh bien il la tuerait. Il avait peut-être bu quand il l'a dit, mais je suis sûr qu'il était sincère. Vous seriez prêt à témoigner au tribunal? Moi je crois que ce serait plus simple de le descendre. Non, je plaisante, mais... En tout cas, si vous avez besoin de mon témoignage, ouais, c'est d'accord. Ce que je veux, c'est le faire jeter en prison. Ah bah, il faut commencer par le trouver. C'est bien pour ça que je cherche April partout. Elle dansait ici avec Diana. Vous n'auriez pas son adresse? Pas la dernière, mais je sais que sa mère tient une boutique sur Russell. Elle peut peut-être vous aider. Madame? Vous êtes Madame Hill? Oui. Je m'appelle Gail Moffitt. Je voudrais essayer de parler à April, votre fille. Vous êtes de la police? Non. Ma fille était... Ma fille et la vôtre étaient amies. Je ne sais pas où elle peut être. Elle n'est plus ma fille depuis longtemps maintenant. Alors si ça ne vous ennuie pas, je vous demande de me laisser tranquille. Madame Hill, c'est très important. Il faut que je retrouve votre fille. Ma fille a été assassinée et April peut peut-être... Je vous ai demandé de me laisser tranquille. Maintenant. Autrement dit, vous n'avez aucune idée de l'endroit où se trouve votre fille? Non. Et ça m'est égal. Ce soir pendant 2 heures, mais je n'ai gagné que 92 dollars. Je n'aime pas faire le trottoir, mais je l'accepte pour faire plaisir à Arthur. Parce que je sais que lui, il aime. Et je veux lui faire plaisir. J'y sais, mais il y a des choses qu'il aime et qui sont difficiles pour moi. Je sais que c'est mon homme et que le reste n'a pas d'importance, mais il y a des moments où je ne me sens pas sûre de moi. Mais je l'aime tellement. J'espère qu'il s'en rend compte. Allô?
Allô, Madame Moffitt. Ici, c'est April, l'amie de Diana. Je suis tombée sur Charlie et... Oh, April, enfin, je vous ai cherché partout. Je sais. Je ne veux pas vous parler pour l'instant, mais je voulais vous dire qu'Arthur était revenu à Portland. Où ça? April, où est-il? Je sais pas, mais... J'ai entendu dire que la police l'avait embarqué et qu'il était ressorti. Je peux pas vous parler pour l'instant, mais je vous rappellerai. April. 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 Pourquoi vous ne m'avez pas dit qu'il était revenu et que vous l'aviez interrogé? C'est arrivé comme ça, et j'avoue que j'espérais avoir plus de choses intéressantes à vous apprendre. On l'a fait passer au détecteur de mensonges et ce n'est pas concluant. Alors il faut le faire passer une autre fois. Il a refusé, on ne peut pas l'y obliger. On ne peut pas non plus l'arrêter sans avoir de preuves tangibles. Écoutez, je suis fou de rage moi aussi, mais on n'a pas assez de preuves pour le coincer. Et San Diego ne fait rien non plus de son côté? En fait, ils ont peut-être le même problème que nous. Laissons-leur le bénéfice du doute. Et pour quelle raison est-ce que je ferais ça? Ils me font tourner en bourrique. Chaque fois que je demande des nouvelles, vous savez ce qu'ils me disent? Qu'ils n'ont rien. Et pourquoi? Parce qu'ils ne font rien, c'est tout. Écoutez, ils sont probablement complètement débordés. Ils ont toute une série de meurtres de jeunes femmes là-bas. Mais quand la jeune femme victime est une personne connue, toutes les brigades sont dans le coup, les militaires, les médias couvrent l'événement. Mais quand il s'agit d'une prostituée, là c'est le désert. Pour eux, c'est l'humain non intéressant. On ne la considère pas comme un individu, non. Pour la police, c'est une statistique qui ne compte même pas. Gaëlle. Qui c'est? Cet imbécile d'inspecteur à la manque doit probablement considérer la mort de Diana comme une espèce de bénédiction. Encore une disparue du trottoir. Écoutez, je ne suis pas content non plus de leur façon de procéder. Mais ne soyez pas injuste. Ah, il est bien possible que je le sois, mais... Est-ce que je n'ai pas droit à un peu plus de loyauté? Je sais qu'on ne peut pas répondre à toutes mes questions, mais... Mais après tout, je suis la mère de la victime, n'est-ce pas? Je n'ai pas droit à un peu de respect? Ça ne semble même pas leur venir à l'idée. Après tout, ils considèrent ma fille comme n'ayant jamais été humaine. Alors, qu'est-ce que je peux être, moi? On peut parler? Oui. J'ai bien réfléchi à ce que vous m'avez dit hier soir. Je suis désolée. J'ai un peu dépassé les bornes. J'ai une idée qui serait plausible. Si on n'a pas d'aveu d'Arthur, ou si aucun témoin ne se présente, j'ai bien peur que les chances de relier Arthur à l'assassinat de votre fille soient presque nulles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut peut-être le coincer pour toute autre chose. On le ferait enfermer pour longtemps. Mais ça veut dire quoi? Eh bien, dans ce cas, ça veut dire forcer quelqu'un à commettre un acte illégal. Mais il s'agit d'un meurtre! Il a tué ma fille, et je le sais! Non, vous ne savez rien du tout. Et tant qu'on ne le prouvera pas, la loi dit qu'il est innocent. Et tous vos soupçons et toute votre colère ne pourront le mettre en prison. Gaëlle, je suis venu pour vous aider, ne l'oubliez pas. Rassurez-vous, je le sais. Il faut que vous me fassiez confiance. Si on veut réussir, il ne faut surtout rien négliger. Si on veut avoir un dossier valable, il faut faire très attention. Sinon, on n'y arrivera jamais. Et en quoi puis-je vous aider, moi? D'abord, être patiente. Et surtout, ne pas bouger. C'est ça le vrai problème. Arthur se promène en liberté dans les rues en détruisant d'autres filles tous les jours. Gaëlle, si vous voulez rester au milieu de tout ça, il faut garder les idées claires. Vous voulez me faire plaisir? Je veux que vous alliez voir cette femme. Elle est vraiment bien. Vous ne le regretterez pas. Et qui est cette femme? Une psychologue? Non, elle dirige l'organisation Les Familles des Enfants Assassinés. Je crois qu'il est temps de laisser s'exprimer ce que vous ressentez. Je ne peux pas. C'est encore trop tôt. Je ne peux pas. Peut-être tant de mois. Mais il faut que je règle cette affaire moi-même. Écoutez, je crois qu'il faut le faire tout de suite.
Faites-moi plaisir. Sergent Powell nous a expliqué ce que tu allais faire. Il vaut mieux qu'on y aille tous, ça peut peut-être t'aider. Non, je ne peux pas. J'ai regardé à l'intérieur, ils m'ont paru tous tellement normaux. Je ne supporterai pas leur regard. Ils vont nous condamner, ils vont nous juger. Mais c'était notre fille. Mais ma sœur, peut-être qu'après cette réunion, on ira tous un peu mieux. Et personne ne peut nous condamner, on ne leur permettra pas. Ma mère disait toujours que la plus grande tragédie dans une vie, c'est de survivre à son enfant. Et elle avait bien raison. Il y a quelque chose que je trouve très bouleversant, c'est que les amis, et même la famille, deviennent impatients avec moi. Du style, arrête maintenant. Il faut que tu vives, même après la mort de ton fils. Gaël, vous voulez dire quelque chose, peut-être ? Je n'ai rien à ajouter après tout ce qui a été dit. Parce que certains pensent qu'on ne devrait pas parler de notre douleur. Mais le plus traumatisant, c'est justement de ne pas en parler, de tout garder en nous. Je sais que ça a été difficile pour vous et pour votre famille d'être là ce soir. Mais... Oui, ça a été difficile, effectivement. Le plus difficile, peut-être, pour nous, ce n'est pas seulement d'avoir perdu Diana... Et d'avoir à écouter les bien-pensants dire... Oh, qu'est-ce que ça peut faire qu'elle ait été massacrée? Ça n'était qu'une prostituée. C'est ça qui devient insupportable. Vous vous sentez responsable de la mort de votre fille? Je crois que oui. J'essaie d'imaginer des moyens qui m'auraient permis de l'aider. Et surtout qui l'auraient sauvé, qui aurait pu lui éviter tout ça. On le fait tous. Mais vous n'avez pas à culpabiliser. Vous ne devez rien reprocher à votre fille. Ted a raison. Peu importe ce que Diana a pu faire de sa vie. Elle ne méritait pas ce qui s'est passé. Et c'est vrai. Elle ne méritait pas de mourir. J'ai tout mon temps maintenant. Je peux vous inviter à déjeuner? Oui? Oui. Alors venez. Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous étiez une de ses filles? Parce qu'à l'époque, je ne l'étais pas. Alors pourquoi êtes-vous retournée avec lui? Je ne peux pas expliquer. C'est comme une drogue, comme de l'héroïne. L'héroïne tue. Vous savez bien que c'est mauvais pour vous. Vous êtes accro, mais vous ne pouvez pas vous libérer. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Diana? Oui.
Il y a un bruit qui court. C'est possible que Randy ait quelque chose à voir avec la mort de Diana. Randy, vous parlez de la fille qui vit avec Arthur? Oui, elle en a toujours voulu à Diana. Pourquoi? La jalousie. Arthur adore monter les filles les unes contre les autres. Pas mal de macs le font. Une copine a entendu Randy dire que Diana l'embêterait plus. Puis un peu plus tard, on a trouvé Diana. Morte. Mais vous ne croyez pas qu'elle a été capable de faire une chose pareille toute seule? Oh, ça, non. Randy ne change pas de collant sans sa permission. J'ai quelque chose pour vous. Si Arthur savait que j'ai pris ça, il m'étriperait. Le permis de conduire de Diana. Où l'avez-vous trouvé? Il était dans ses affaires. J'ai pensé que vous le voudriez. Ça, ça peut être intéressant. Dans sa déposition, Arthur a affirmé que Diana avait quitté le motel pour aller voir un client et qu'elle n'était pas revenue. Mais pourquoi n'aurait-elle pas pris ses papiers? Elle ne serait jamais partie sans ses papiers. Ce ne sont que des suppositions. Oui, mais le fait qu'Arthur ait le permis de conduire de Diana montre que toute son histoire a été inventée. Possible, mais pas sûr. Cela dit, j'ai de bonnes nouvelles. J'ai parlé au procureur. Il est tout à fait prêt à jouer le jeu. Il voudrait bien arriver à monter un dossier solide contre notre ami M. Trice. Quel genre de dossier? Eh bien... ce qu'il voudrait, c'est le faire plonger pour avoir obligé Diana à se livrer à la prostitution. Il faut que je vous prévienne que ça va être dur puisque Diana est morte. Mais tout le monde semble prêt à faire des efforts. Et j'ajouterai que si je suis prêt à me démener, c'est parce que vous êtes une adorable casse-pied. Je crois que je vais prendre ça comme un compliment. Merci. Je suis le sergent Powell, je travaille pour la police de Portland. Vous, je vous arrête. Vous me tenez pas encore! Utilisé contre vous. Vous avez compris, Trice? Vous l'avez eu? C'est génial! Je sais. Mais c'est un bon début. Oh, non! Elle est gravement blessée? Oui, je crois pouvoir être là dans 20 minutes. Rassurez-vous, elle est moins atteinte qu'elle en a l'air. Elle a dit qu'elle avait besoin de vous parler. Vous êtes arrivé. Arthur nous a vus quand vous m'avez parlé dans la rue. Et il a dit qu'il me donnerait une bonne leçon. Il m'a cassé le bras pendant une seconde, j'ai bien cru qu'il allait me tuer. J'ai appelé maman, mais elle n'a pas voulu venir. Et vous êtes la seule à qui j'ai pensé. Chut.
contente que vous m'ayez appelée. Très contente. Mais vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il faut que vous quittiez Arthur une bonne fois pour toutes, parce que la prochaine fois, il vous tuera. Oui, maintenant j'ai compris qu'il se fichait complètement de moi. Je sais qu'il se sert de moi comme il se sert de tout le monde. Je pourrais vous présenter à de braves gens qui vous aideront, mais il faut y mettre du vôtre. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut faire plonger Arthur. Il a été arrêté ce soir. Vous pouvez nous être utile en racontant au juge tout ce qu'il a fait à cette pauvre Diana. Je crois pas que je puisse faire ça. Pourquoi? Après ce qu'il vous a fait subir? Alors, faites-le pour elle. S'il vous plaît. Écoutez, je sais vraiment pas à quoi vous jouez ici, mais Diana était ce qu'elle était. Vous pouvez inventer ce que vous voulez, mais vous me ferez pas payer pour un autre. Alors, si je comprends bien, vous n'avez joué aucun rôle dans le fait que Diana se soit livrée à la prostitution. Diana voulait cette vie, et je ne l'en ai pas empêchée. Non. Vous avez simplement déposé ses gains sur votre compte en banque. C'est ce que mon relevé bancaire vous dit? J'ai une photocopie du registre des petits boulots que Diana a fait dans tous les salons de massage. Vous connaissez? Oui, elle y a travaillé quelque temps. Diana vous a donné comme référence pour pouvoir avoir ce poste. Elle voulait que quelqu'un se porte garant, vous savez, pour faire bon genre. Le propriétaire de la boîte dit que c'est vous qui la conduisiez à ses rendez-vous et que vous la rameniez. C'était normal, c'était une copine. Et bien sûr, vous ne saviez pas que ces soi-disant salons de massage cachaient tout un vaste réseau de prostitution. Non, je ne savais pas. Vous menez une vie d'ermite, mon pauvre Arthur. Je comprends mieux pourquoi vous ne pouvez pas additionner deux et deux. Mais j'en ai peut-être pas envie. C'est parce que vous l'aimiez, sans doute. Tout à fait. Je l'aimais très fort. Et j'ai voulu veiller sur elle. C'est vrai, cette idée que d'autres pouvaient la toucher, ça me rendait malade. Donc, vous saviez que c'était une prostituée? Tout ce que je peux dire, c'est que je ne l'ai pas poussée à le devenir. Mais vous l'avez poussée à rester. Mais vous êtes dingue ou quoi? C'est stupide! Vous l'avez frappée quand elle a voulu arrêter. Ça, c'est de la diffamation. Mais elle a porté plainte pour coups et blessures. J'ai sa déposition sous les yeux. Je suppose que vous devez savoir qu'elle a retiré sa plainte très vite. Bon, maintenant, attention, parce que là, vous m'agacez. Très bien, il m'est arrivé de la frapper. Je parie que la moitié des types de votre brigade tabassent leurs femmes. Pourquoi vous l'avez tabassée? Parce qu'elle voulait arrêter, n'est-ce pas? Parce que vous avez eu peur que la machine à faire des billets ne vous laisse tomber. Vous avez tout compris de travers, c'est exactement l'opposé. Écoutez, ça me faisait mal de la voir avec les autres. Et ça me faisait mal quand elle regardait les autres. Mais elle en avait besoin, du moins un seul type, c'était pas suffisant. Et ça, c'était trop dur. C'est pour ça qu'il m'arrivait de la frapper. Et je sais, j'aurais jamais dû, je pourrais pas me le pardonner, ça non jamais. Mais je vous en prie, croyez-moi. Je l'ai vraiment aimé. Je vous jure. Vous en faites pas, je vous crois, Arthur. Et je crois bien aussi qu'Elvis est toujours vivant et que ma tante a été enlevée par des martiens. La prochaine fois, faut le filmer. Je parie qu'il peut obtenir un Oscar. De mauvaises nouvelles. Arthur a été libéré sous caution et 2 heures plus tard, après, il a dit au procureur qu'elle retirait sa plainte contre Arthur. C'est pas vrai. Elle ne va plus témoigner? Ça me paraît évident. Bon, rappelez-moi si vous avez quelque chose de nouveau. Ouais. Merci. Il
lui a demandé 10 fois la même chose. Oh, oh ça c'est fort. Hein. Il lui a demandé 10 fois la même chose. Ah. Ça alors, ça va après? Ça va. Oh, alors, prends le travail. April. Oh. Pardon, Madame Moffitt, je sais ce que vous pensez. Non, pas du tout. Vous ne pouvez pas le savoir parce que moi-même, je ne sais plus ce que je pense. Arthur a payé ma caution ce matin. Quand je l'ai appris, j'ai pas pu déménager, j'ai pas le courage. C'est pour ça que vous êtes là avec un bras cassé. Il fallait que je lui montre que j'étais pas une ingrate. Écoutez, Arthur un jour a convaincu Diana de retirer la plainte qu'elle avait déposée contre ce fou. Et je sais à quel point il peut être persuasif. Il n'est pas que persuasif, il est dangereux. Ça, je le sais aussi. Mais vous savez pourquoi il est si dangereux? Parce que des filles comme vous et comme Diana lui avaient donné beaucoup trop de pouvoir. Il faut que vous témoigniez, vous le devez. Un jour, j'ai dit à Diana que si elle retournait vivre avec Arthur, elle ne pourrait plus jamais revenir chez moi. Vous voulez savoir quelque chose? Elle n'est jamais revenue. Ne commettez pas la même erreur. Je crois que je ne suis pas assez forte pour pouvoir m'en tirer toute seule. Portez plainte contre Arthur montre une très grande force. Je pense que vous l'avez, cette force. Et la vraie question est-ce que vous avez le courage de l'utiliser? L'avez-vous? Ça va marcher. Gail, il y a encore un petit retard. Et vous savez ce que ça veut dire? Aucune idée. Je n'arrête pas de penser à tout ce que j'aurais pu dire après. Allons, ne commence pas à te culpabiliser. Est-ce qu'on a une chance? Je sais pas trop ce qui se passe, mais on va pas paniquer. Il faut pas paniquer. Je vous préviens dès que j'apprends quelque chose. Merci. On va bien voir. Silence, s'il vous plaît. Monsieur Triss, j'ai été avisé par votre avocat qu'à la suite de négociations aujourd'hui entre lui-même et le procureur, vous avez décidé de renoncer à contester l'accusation d'incitation à la prostitution. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est exact. Est-ce que vous comprenez que si cette affaire doit être jugée, l'État devra prouver que Diana Moffitt était effectivement une prostituée et qu'effectivement vous receviez les gains qu'elle obtenait en faisant commerce de son corps et qu'elle a continué à se livrer à la prostitution contre son gré. Et l'État devra prouver à 10 jurés sur 12 que vous êtes bien coupable. Vous comprenez? Monsieur Triss, est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Monsieur Triss, s'il vous plaît, dites à la cour pourquoi vous avez changé votre façon de plaider. C'est à cause de nouveaux développements. Veuillez parler plus fort. Et j'ai pensé que ça vaudrait mieux pour moi. Avant de lever la séance et de fixer une prochaine date, le procureur a demandé si je voulais autoriser la mère de Diana Moffitt à s'adresser à la cour. C'est bien ce que vous voulez faire, Madame Moffitt? Oui, votre honneur. Avant toute chose, je voudrais dire que je ne comprends pas, ou plutôt que je n'ose imaginer, qu'il soit question de parvenir à un arrangement avec l'accusé. Mais quelles que soient les charges légales retenues contre M. Triss, quand on arrivera à la sentence, j'espère que vous prendrez en considération le fait que ce jeune homme a réellement tué ma fille. Je ne sais pas si c'est de sa main, ou par l'intermédiaire d'un de ses hommes, ou bien d'un inconnu. Mais il l'a bien tué. Il l'a entraînée dans une vie qu'elle n'aurait jamais dû connaître. Et il l'a amenée à une mort qu'aucun enfant ou parent n'aurait pu imaginer. Donc, dans l'intérêt de la justice et des autres jeunes filles de cette ville, comme ma petite Diana, je vous demande avec force de punir cet homme avec toute la sévérité de la loi.
La grande nouvelle, c'est qu'on crée un précédent. Le procureur vient de me dire qu'il est prêt à s'attaquer à d'autres macros comme lui. Et le plus tôt possible, j'espère. Je crois que c'est le moins qu'on puisse faire. Bien. Pour l'instant, j'abandonnerai pas si vous tenez le coup. Marché conclu. Je suis content. Je te retrouve à la maison. Très bien. Madame Hill, il faut que je vous parle. C'est très important. Je vous en prie. Je vous ai déjà répondu qu'on n'avait rien à se dire. Nous avons à nous dire. Je vous promets que ce ne sera pas très long. Mais il faut que vous entendiez quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez une fille très perturbée, qui est pourtant quelqu'un de très honnête, de très malheureux, que vous avez fini par repousser pour des raisons tout à fait logiques. Elle a fait des choses dans sa vie qui sont horribles. Aucun parent ne peut admettre que sa fille puisse se comporter de cette façon. Ça a été mon cas. Et j'ai poussé ma fille à quitter ma maison aussi. Mais ma fille est morte. Et il n'y a aucun moyen, aujourd'hui, de la faire revenir. Mais vous, vous avez encore une chance. Vous ne comprenez pas. J'ai tout essayé avec ma fille. Je vous jure. Elle m'a fait très mal. Je sais ce que vous ressentez. Je sais aussi ce que vous avez pu souffrir. Mais le plus terrible, c'est de se réveiller un matin et de découvrir que sa fille est morte. Tous les jours, toutes les heures, si vous saviez comme je m'en veux, en pensant à tout ce que j'aurais pu dire, tout ce que j'aurais pu faire. J'ai appris à connaître votre fille et elle me rappelle énormément, ma Diana. Ne la repoussez pas comme je l'ai fait. Si vous voulez sauver votre fille, il va falloir vous battre. Il faut que vous lui disiez que vous lui pardonnez. Il faut que vous lui disiez que vous l'aimez. Et si jamais elle a des problèmes avec la loi, il vous faudra travailler avec la police. Surtout, ne l'abandonnez jamais. Parce que sinon, elle baissera les bras et alors tout sera fini. Ne laissez pas les choses en arriver là. Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je dois vous paraître folle. Pardon. Non, pas du tout. Et même si je voulais renouer avec April un jour, je ne sais pas où elle est aujourd'hui. Moi, je sais. Elle est là dans ma voiture. Je peux lui demander de venir. De mon cœur qui refuse de croire qu'elle n'est plus là. Quelquefois, le soir, quand je ne trouve pas le sommeil, je descends marcher dans la rue et je regarde ses filles. Il arrive que l'une d'elles se tourne vers moi
Et pendant un quart de seconde, je pourrais jurer que c'est Diana. Bien sûr, ce n'est pas elle. Mais ce n'est plus une prostituée quelconque que je croise sur le trottoir. C'est l'enfant de quelqu'un. Quatre, trois, deux, un.